Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un canon parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire de canon, même des canons si simples que ça. Ça va être un canon qui tire, qui fait du, enfin qui tire 3 TNT par 3 TNT. Très très simple à faire, il se fait en 5 minutes on va dire. Donc ici vous commencez, attendez on va recommencer à 0. Vous mettez un distributeur là, un là, un là. Slash speed 1, pardon. Vous mettez un bloc là, et vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 redstone. Vous mettez un répéteur ici, un deuxième ici. Vous mettez un bloc ici, un bloc là. Ici, vous allez mettre 6 répéteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au-dessus aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La même chose ici. Ici, on va faire comme ça pour que ça soit plus beau. Par contre, attendez, ça me stresse. Pourquoi? Ok. Après, ici, vous allez mettre des répéteurs partout ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire comme ça. Pareil ici. Comme ça. Après, ici, vous allez raccorder ici. Pareil ici. Ici, on va mettre. Vous allez faire comme ça. Et vous allez mettre à peu près. Ouais, non, attendez. On va plus faire comme ça. Donc, vous allez ici. Vous mettez comme ça ici. Après, vous mettez une dalle ici. Vous faites comme ça. Donc, regardez bien vous. Après la dalle, vous allez faire un bloc là, un distributeur, un bloc de. Enfin, un bloc n'importe lequel. Un distributeur qui regarde vers le haut, vers le bas plutôt. Et un distributeur qui regarde comme ça. Une fois arrivé là, vous allez mettre un bloc comme ça. Enfin, un escalier quoi. Vous allez mettre un répéteur là. Un bloc de redstone. Un bloc de redstone encore. Et on va prendre. Attendez, laissez-moi réfléchir. À peu près. Ok, à peu près ici. Vous allez faire comme ça. On va le refaire plus facilement. Donc vous mettez ici là le. Enfin vous prenez lequel, celui que vous voulez, mais ici pour la vidéo je prends celui-là. Vous faites un répéteur, deux répéteurs, un bloc, un répéteur ici qu'on va mettre au max, comme ça on est sûr. Et on va faire comme ça. On va lier la redstone. Ensuite, ici, on va mettre deux blocs ici à côté avec un piston et du sable. Attendez, send. Voilà. Ici, on peut refermer. Hein. On va refermer. Vous repartez ici à la base. On va faire. Alors là, il va falloir qu'on compte. Donc, vous faites comme ça. Ça, vous mettez au max. On va faire comme ça. Ici, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ici, comme c'est un petit peu juste, enfin, c'est juste à côté, vous allez revenir en arrière et faire comme ça. On va mettre l'eau. Et normalement, je pense que le canon est prêt. On va juste refermer pour que ça soit plus beau. Avant de tirer. Voilà. Et, pardon, excusez-moi, ici j'ai oublié de vous dire, vous devez mettre la redstone ici, 1, 2 et 3. Pour que tout soit activé. Normalement, là, vous avez plus qu'un TNT field, slash TNT field. Ici, n'oubliez pas de tout mettre à fond. Et ici, mettre à seul, enfin, à mettre avec aucun tick. Et enfin, on va mettre un petit bouton ici. Normalement, on va tirer. Et il y a un problème. Attendez, ça c'est pas normal. C'est pas ça, ça se passait comme ça. Ok, excusez-moi. Ici, vous devez casser les deux blocs ici.
mais on aura des gros problèmes. Send. Voilà, c'est bon. Là, normalement, c'est parfait. Et il y a toujours un problème. Ah. Là, normalement, si j'ai bien vu, c'est bon. D'accord, c'est parfait. Donc là, ici, c'était comme ça. Mais je me suis trompé, j'ai mis un tic de trop, je pense. Attends, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oui, j'avais mis un tic de trop. Du coup, vous remettez juste comme avant, c'était comme ça. Là, vous faites juste comme ça. Et là, normalement, le canon, il marche très, très bien. Si vous voyez bien, en deux coups, il pète slash fire, il pète l'obsidienne. Voilà, donc attendez, je vais juste remettre de l'obsidienne parce que je l'ai enlevé. On va juste remettre de l'eau là. On va voir en complétant, on va passer tout ça. Pour le mettre en automatique, vous avez juste à faire ça. Vous mettez 1, 2, 3 TNT. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je sais pas ce qui s'est passé ici. Vous rajoutez encore une. Vous faites comme ça. En gros, il y en a 6. Exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 répéteurs. Vous en remettez 6 là. Et vous prenez une torche de redstone. Et là, il est en automatique normalement. On peut même peut-être le mettre plus rapide, mais je pense que c'est bon, hein, on va éviter. Imaginez-vous que ça bug. Tout est bon. Là, il tire en automatique et ça va, c'est quand même rapide hein, pour péter une base, c'est ça fait largement l'affaire. Hein. Vous vous imaginez qu'il y a une base avec des coffres là-bas. Chest, non, coffre. Et on va dire qu'il y a des coffres ici, voilà. Et ça va péter assez rapidement. Hein. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme d'attendre, donc on va faire comme ça. Voilà. Là encore. Du coup, encore deux coups, et puis c'est bon, je pense. Et puis on va arriver au coffre. Et. Dernier tir. Et là, les coffres, voilà. Du coup, vous pouvez. Comme vous pouvez le voir, le canon il est assez bien. Hein. Enfin, pour un serveur français, normalement il est très bien. Vous rentrez là toutes les bases avec. Maintenant, il reste plus que le tester sur un vrai serveur PvP faction. Donc là, j'ai pas envie de vous montrer le canon, mais il y a une, vous voyez bien qu'il y a une base. Donc nous on est ici, il y a une base là-bas. Et vous allez voir que. On va rentrer quand même assez facilement normalement. Là on va faire le test sur un vrai serveur. Attendez parce que la base elle est quand même loin. On va lui dire go. Voilà et là normalement ça va passer crème. Allez, parce que un petit peu la flemme, on va pas se mentir. Hein. Et là, je pense qu'en deux coups, il pète, je pense, si je me trompe pas. Voilà, exactement. Donc, si je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme, donc on va bloquer le sable.
Voilà, parfait. Il y a ici maintenant, on va bloquer le sable, hein, parce que j'ai la flemme d'attendre. En plus, on est en règle, donc. Là, normalement, je pense que ça, il peut être en 3 coups, du coup. Parce que ça a 32 du rat. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très très bien fait, le canon. Regardez comment on est rentré très très facilement. Ah, en fait, ils ont mis aucune eau. On aurait pu piller très facilement, mais bon, écoutez. Pour le challenge, on a fait un bon petit canon. Normalement. Bah, elle m'a dit que c'était ouvert. Donc voilà, c'était assez simple. On va transpercer la base pour le plaisir. Hein. Normalement. Bref, c'est assez simple. Ouh, j'aurais dû tirer là. Moi, c'est pas grave, ici, c'est trop facile à piller. En fait. Attendez. Copier. Ouais, c'est vraiment très simple à piller. Bon, ici on va laisser le canon tirer. Matériau pour la base clim. Bon, moi je vais leur laisser. Je sais pas si elle va tout casser. Ah, moi je m'en fous un petit peu. Hein. Du coup, les gars, pour la fin du pillage, ben sans mentir, j'ai préféré couper la vidéo parce que il y avait rien d'intéressant dedans. Et du coup, c'était pas du tout intéressant pour vous à regarder. Et voilà, j'ai préféré leur laisser tout le stuff. Et partir comme ça, et voilà. Et ceux qui vont me tailler en mode ouais, mais le canon il est pas si ouf que ça, tu déconnes, montre-moi des vrais canons. Les gars, ça arrive, mettez juste des likes et je vais vous montrer des sales canons par la suite. Prochaine vidéo, les gars, si on atteint les 20 likes, je vais vous montrer un canon qui tire à la, enfin qui tire à 300 blocs, même plus de 300 blocs, à 500 blocs, il me semble, qui casse la bedrock en un seul coup. Donc, en gros, qui envoie 10 TNT à la fois. Ou comme vous voulez, en fait, il est ajustable. C'est comme vous voulez, 10 TNT, 20 TNT, comme vous voulez. Et voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous aimez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, bah, à la prochaine pour le prochain canon.